수업 중입니다. 자, 시간이 됐으니까 일단은 시작할까요? 오프닝 합시다. 네, 알겠습니다. 안녕하십니까? Bonjour. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bonsoir. 네, 정말 오랜만입니다. 잘 지내셨습니까? Ça fait vraiment longtemps, nous sommes contents de vous voir.네, vous 정말 étiez bien tout ce temps?반갑습니다. Ça va? 네, 이제 시작하기 위해 기도를 Bonsoir. 원래 저희 배낭 Bonsoir. 기도를 부탁하려고 했는데 아직 안 들어오시는 것 Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore entrés parce qu'on avait un autre lien. Mais avant qu'on commence, on veut demander à quelqu'un de prier. Peut-être on va attendre juste un peu plus et puis on va commencer.네, 아직 안 들어오신 것 같아서 La그냥 personne qui doit prier n'est pas encore arrivée.우리 코디네이터님 파스칼 댁베이씨한테 Donc, nous allons demander à Pascal de prier. Pascal Degbé. Allô? Mr. Degbe, can you unmute your OK. microphone? Ah, okay. Nous allons prier. Bonjour, notre parent céleste bien-aimé. Notre cher bien-aimé victorieux, vrai parent du ciel, de la terre, de l'humanité. Nous sommes très reconnaissants et accueillons ce moment avec une grande joie, parce que tu nous donnes une fois encore l'opportunité de recevoir ton amour manifesté sur la terre aujourd'hui à travers la fille unique du Parent Céleste, la vraie mère. Nous sommes reconnaissants dans cette zone francophone de l'Afrique de nous retrouver autour de l'esprit des vrais parents pour recevoir ta guidance. Nous pouvons comprendre combien tu tiens tellement à sauver l'humanité. Et nous comprenons le rôle que nous devons jouer en tant que des messieurs tribaux. Mais en réalité, nous n'avions aucune notion de cette mission, qui est une mission noble que tu nous accordes. C'est la raison pour laquelle nous apprécions chaque occasion que tu nous offres pour nous enseigner, en vue de nous permettre de mieux comprendre ton cœur. Nous voulons exprimer toute notre gratitude envers la vraie mère et prier afin que la séance d'aujourd'hui puisse nous aider à ouvrir davantage notre cœur et à cerner les points les plus importants capables de nous permettre de devenir meilleurs. Nous prions pour le professeur Gill ou tout son staff qui s'investit depuis déjà des années pour nous mettre vraiment sur ce chemin. Nous prions afin que tu les vivifies davantage. Sois au centre de cette rencontre. Je fais ce rapport au nom de Pascal Degbé, en tant que famille bénie centrale. Adieu. Adieu.출석하기 전에 이제 음성으로 할수 있는 권한을 각 참석자들한테 드렸는데 음성으로 Q&A 시간에만 해주시길 바랍니다. OK, nous allons continuer comme ça maintenant. Pascal, 기도하면서 부부가 꼭 이렇게 같이 하니까 너무나 보기 좋습니다. C'était vraiment bien de voir Pascal avec sa femme pendant la prière, tous ensemble. Vraiment, salut, salut. On est vraiment contents de vous voir tous ensemble. 네, 다음은 출석 체크 시간인데요. 이미 하고 계시겠지만, 채팅방에서 본인이나 부부로 참석하셨다면 부부의 이름으로, 이름이랑 나라 직책, 그리고 이메일이랑
Donc maintenant c'est le temps d'écrire dans le chat votre de mettre votre présence dans le chat. Si vous êtes venu avec votre femme ou avec d'autres personnes, vous regardez ensemble avec quelqu'un, s'il vous plaît, mettez votre nom, votre numéro, votre email dans le chat. 네. 어 그리고 출석 체크하시는 동안 어 현장에서 그리고 이제 어 천복 교회원 쪽에서 참석하신 주요 멤버들을 이제 소개하겠습니다. 먼저 현장 쪽에서 어 저희 사이버 리더스 아 천복 리더스쿨 코디네이터 파스칼 덱베하고 피나스 베르니 이제 오늘 참석하셨습니다. Donc on va d'abord aussi reconnaître tout le monde qui est venu aujourd'hui. Nous avons la personne coordinateur de Chonbo en Afrique, Pascal, qui est ici avec nous. Saluons-le et sa famille. 정말 감사합니다. 그리고 이제 어 현장의 그 각 나라의 국가회장님들의 인사 시간인데요. 혹시 어, 계시면은 언뮤트 하시고 간단한 자기소개와 인사를 부탁드리겠습니다. Donc nous voulons aussi reconnaître tous les leaders nationaux qui sont là. Si vous êtes là aujourd'hui, ouvrez votre micro et dites bonjour et nous allons vous saluer aussi. 네. 부탁드리겠습니다. Hello, bonjour. 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 Alors, bonjour, Madame Président. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Nous remercions notre parent céleste, notre mère, la fille unique de Dieu qui manifeste son amour à travers ses cours, à travers cette classe. Et nous remercions beaucoup plus le professeur Gil avec toute son équipe. Et je demande à tous les parents, à tous les frères et sœurs qui participent à cette classe de disposer, nous devons tous disposer nos cœurs, nos esprits, afin de recevoir cette grâce. C'est une grâce et une grande bénédiction pour nous. Donc nous apprenons comment devenir des coachs et comment nous devons organiser notre travail sur le terrain. Merci beaucoup et je souhaite bonne attention à, disons, bonne participation à chacun. Que Dieu bénisse cette classe. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous donner une idée un peu de sur la classe et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. 먼저 김영환 원장님께서 이번 핵심 주제를 설명하신 다음에 현장을 대표해서 두 명. Ami, I can't hear you very well. 지금 들리십니까? 아, 알겠습니다. 크게 얘기할게요. 네, 죄송합니다. 네,
먼저 길영원 원장님께서 이번 핵심 주제를 소개하신 다음에 현장을 대표해서 두 명의 발표자가 오늘 발표를 준비하셨습니다. Nous allons avoir d'abord le professeur Gill qui va nous expliquer un peu sur cette classe aujourd'hui. Et après qu'il a terminé, on va avoir maintenant deux personnes qui vont donner leur présentation. 네, 그리고 각 발표 끝나고 원장님의 짧은 피드백이나 짧은 피드백을 주실 거고 그 이후에 Q&A 시간을 가질 겁니다. Et puis après, après cela, nous allons avoir un temps de réflexion. Et après la réflexion, nous allons avoir aussi des questions et réponses. Si vous avez des réponses ou des questions aux personnes ou bien pour ce guide, ça serait un bon moment de présenter. 네, 그러면 바로 김영 원장님을 모시고 이번 핵심 주제 내용을 듣도록 하겠습니다. 큰 박수로 모시겠습니다. Donc, je veux qu'on commence d'abord à inviter le professeur Gill et puis on va commencer notre cours maintenant. 예, 안녕하셨습니까? 오래간만에 뵙겠습니다. Salut tout le monde, ça fait vraiment longtemps. Comment allez-vous? 예, 한 달 만에 보는 거죠? Ça fait plus qu'un mois, n'est-ce pas? 예, 그동안에 참 많은 일들이 우리한테 있었습니다. Pendant ce temps, on avait beaucoup de différents genres de travaux. Beaucoup de choses sont passées. 참 어머님 가시는 길이 너무 빨리 바삐 가시기 때문에 사실 저희들도 많이 바빴던 것으로 압니다. Donc parce que notre mère donne beaucoup de travail et beaucoup de choses qu'elle fait des événements, nous sommes toujours très busy. 그래서 천보 교육원도 같은 마음으로 전 세계 우리 신종종 메시아 천보 가정들에게 힘을 보태기 위해서 또 오늘 이렇게 공유를 시작합니다. Donc nous voulons donner beaucoup de support aux gens de partout et à tous nos familles Chombo ou bien tous ceux qui veulent devenir des familles Chombo. Et à cause de cela, même comme on est vraiment vraiment surchargé avec les différents événements, nous allons faire de notre mieux de continuer. À cette éducation. Alors, c'est pour cela qu'on est ici avec vous aujourd'hui. 네, 지난번에 우리가 그 코칭이란 이름으로 우리가 서로 얘기를 나누었습니다. Donc la fois passée, nous avons parlé du coaching. 네, 그래서 우리는 그 코칭을 우리가 원리에 있는 서로 잘 주고 잘 받는다는 수수 리더십이라고 이름을 우리가 붙였습니다. Donc, dans le principe divin, nous parlons aussi du coaching, mais ce coaching plutôt parle du donner et de recevoir. 실질적으로 우리가 천보 가정으로 성공하려면은 우리들이 이런 리더십이 잘 숙련되어 있어야지 성공하게 됩니다. Donc, si nous voulons être avoir du succès dans le messianisme tribal et devenir des Chonbo, nous devons faire de notre mieux pour que pour être capable de comprendre notre position dans cette dans en devenant pour devenir Chombo. 그래서 오늘은 우리가 리더십의 향상을 위해서 우리 식구님들하고 같이 수수 리더십이라고 하는 웰 코칭 수수 리더십이라고 하는 내용을 함께 공유하겠습니다. Donc, pour la première fois, je vais partager avec vous aujourd'hui le leadership interactif, le well coaching de Chongbo. Bien. PPT, vous t'arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez vos micros, éteignez vos micros, comme ça nous pouvons être capables d'étudier ensemble. Yeah. 정말로 반갑습니다. Vraiment, vraiment, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. 네, 지금 이 시간에는 천보 리더스쿨 3의 대주제인 천보 웰코칭 리더십을 처음으로 공유하는 시간이 되겠습니다. Donc, vraiment, pour la première fois, comme je vous ai dit, je suis ravie de partager avec vous sur le leadership interactif well-coaching de Chonbo. 네, 천심에 도달하기 위해서는 여러 가지 길이 있어요. Donc ça c'est le thème central du cours de l'école de leader de Chonbo. 네, 하늘의 보배, 즉 천보가 되기 위한 여러 길이 있습니다.
Et il y a beaucoup de différentes routes pour être capable de devenir Chonbu, trésor céleste, de trésor céleste. 예, 종교에 있어서도 승의 길은 아주 여러 길이 있죠. Dans chaque religion, la pratique d'une vie religieuse revêt diverses formes. 그런데 이 시간에는 인간의 대화와 관계에 있어서 천심천보 수행을 추구하는 대화와 수수 관계 수행의 하나로서 웰코칭을 제안하는 시간이 되겠습니다. Mais dans cette session, je propose le leadership interactif well coaching comme l'une des méthodes pour mettre en pratique le cœur céleste comme Chonbu dans notre dialogue et notre relation avec le parent céleste. OK, 수수 leadership이라고도 하고 give and take leadership, 즉 GT leadership입니다. Donc selon le principe divin, nous savons qu'on parle on appelle ça aussi le leadership GT, donc le leadership give and take, donner et recevoir. 하늘 부모님과 인간 간의 수수 관계가 끊어진 것이 문제 핵심이라고 원리는 말하고 있죠. Donc selon le principe divin, le problème central de l'humanité est la rupture du lien entre le parent céleste et l'être humain. 하늘 부모님 마음, 즉 천심하고 수수 관계가 끊어진 것이 바로 인간의 불행의 원인이 되고 있습니다. Donc, la cause de tous nos malheurs est d'avoir perdu la relation de donner et recevoir avec le cœur du parent céleste, Chon Shim. 우리 인간의 마음감, 삶 가운데도 마음과 몸의 수수 관계가 끊어진 것이 가장 큰 모순이 되고 있어요. Dans la plus grosse contradiction de la vie humaine est que la relation donner et recevoir qui unit l'esprit et le corps a été brisée. 참어머님께서도 세계 정상의 리더들 앞에서 몸과 마음이 하나 되는 것이 그 운동으로 시작하자 이렇게 말씀하셨어요. Dans la vraie mère aussi a aussi dit aux responsables du monde entier commençons avec l'exercice qui unit le corps et l'esprit. Chong ici le corps et l'esprit. 본 주제는 이걸 위해서 통일 원리 주제 하나인 잘 주고 잘 받으면은 번식한다. 이 수수 작용 원리에서 well을 이용해 가지고 see well, do well, be well이라고 하는 가치를 만들어서 웰 코칭 수수 리더십을 만들었습니다. Donc dans cette optique le leadership interactif well coaching de Chonbu repose sur l'action de donner et recevoir, l'un des concepts clés des principes de la création. Et grâce à cette ceci nous parlons de voir bien, faire bien, être bien. 네, 이 페이지요. 다음. 예. 웰 코칭 리더십은요 네 모듈로 되어 있습니다. 다섯 가지 네 모듈로 되어 있습니다. Donc cette étape d'apprentissage, le leadership est divisé en quatre parties. 첫 번째 모듈은 코칭 리더가 뭔가 하는 걸 함께 생각합니다. 첫 번째 모듈. Alors, le premier module concerne l'action de donner et de recevoir. 네. 코칭 리더를 여러 가지로 생각해 볼 수가 있어요. Donc un leader interactif peut signifier bien de choses. Pour en avoir. 근데 우리는 웰 코칭 리더는 뭐냐 하는 것에 대한 답을 얻게 될 겁니다. 웰 코칭 리더는 뭐냐? Pour en avoir une idée claire, nous examinerons la définition de la philosophie et les caractéristiques du coaching. 이걸 위해서 우리는 코칭의 정의와 철학 그리고 특징들을 한번 생각해 보겠습니다. Pour conclure, nous apprendrons les principes du leadership interactif well coaching. 마지막으로 well coaching의 원리가 뭔가 하는 것도 우리가 생각해 보죠. Donc après ça, en définitive, les leaders de well coaching et les gens aident les gens et nous allons expliquer comment. Well coaching 리더는 결국 천부의 길을 갈 수 있도록 돕는 사람을 well coaching 리더라고 합니다. Les aider les personnes à prendre le chemin de Chonbu. 이걸 위해서 우리가 코칭을 잘 익히면 좋습니다. Donc ainsi il faut se familiariser avec la méthode du coaching interactif. 천부의 길을 가기 위한 나 그리고 함께 가기 위한 사람들하고 같이 협업하기 위해서 우리가 코칭 리더십을 배우는 겁니다. Donc nous apprenons le leadership interactif pour pouvoir prendre le chemin de Chonbu en collaboration avec d'autres personnes.
두 번째 모듈은 웰 코칭의 핵심 세 가지 키워드에 대해서 공부하는 시간입니다. Donc trois mots clés résument le leadership interactif well coaching. 세 가지 중요한 키워드는요. See well, do well, be well이 되겠습니다. See well, do well, be well, c'est voir bien, faire bien et être bien. See well이란 말은요. 잘 본다는 말이에요. 잘 본다. See well. Le deuxième module, c'est voir bien. Ça veut dire voir bien. 뭘 잘 보느냐? 우리가 목적하는 것, 우리가 원하는 것, 바라는 것, 우리의 비전과 가치, 사명들을 잘 보는 거예요. Donc, qu'est-ce qu'on doit voir bien? Alors, c'est voir ce que nous visons, ce que nous voulons, ce que nous espérons. Notre vision, nos valeurs, notre mission. 이런 것들을 아주 잘 본다는 거, 잘 본다는 게 see well, well see라고 이해하는 겁니다. Donc voir bien, c'est bien discerner ces choses. 자, 세 번째 모듈은 넘겨주세요. 세 번째 모듈은요, do well입니다. Do well. Donc le troisième module est faire bien. Do well은 잘 한다는 거예요. On arrive à comprendre que faire bien, c'est comme ça se dit là, faire bien quoi. 우리가 이거는 코칭 환경을 잘 조성해서 상대방과 대화할 때 상대방을 인정하고 칭찬하고 지지 잘하면서 코칭을 잘하는 것입니다. Donc on arrive à interagir bien en créant un bon environnement de coaching et de donner recevoir. De sorte qu'en parlant aux autres, on sait les apprécier, les reconnaître et les soutenir par le bon usage de l'action de donner et recevoir. 우리가 코칭을 잘하기 위해서는요, 좋은 질문도 할 수 있어야 되고, 그다음에 잘 들을 수 있어야 됩니다. Donc, pour réussir dans le coaching de donner et recevoir, il faut poser les bonnes questions puis écouter attentivement. C'est ça la base. 네, 그래서 이 툴에서는 잘 듣는 훈련과 질문하는 걸 연습합니다. Donc notre travail ici c'est de trouver un moyen de pratiquer comment vous faire bien. 그리고 장애를 제거하고 실행 계획을 잘 세울 수 있도록 도와주는 것이 이 두에를 하는 것입니다. Et puis après ça on doit être capable de surmonter les obstacles et établir un plan d'action. Et puis être bien. 그럼 네 번째 모듈은 뭐냐? 네 번째 모듈은 be well, 잘 되는 것입니다. Be well. Donc, le quatrième module est d'être bien. Donc, devenir bien, pouvoir bien. 네. 잘 되기 위해서는 잘 보고 잘 해야겠지만은 우리가 원하는 것을 잘 보고 잘 하니까 결과적으로 잘 된다는 것이에요. Donc, pour devenir bien, on doit bien voir et faire bien. À force de bien voir et de bien faire, de faire bien ce que nous voulons, nous pouvons devenir bien. 이렇게 됐을 때, see well, do well, be well이 됩니다. Donc, s'il en est ainsi, cela donnera voir bien, faire bien et être bien. 네, 잘 보고, 잘 하니까, 잘 된다. 다 같이 한번 Donc, 해보겠습니다. Vous voyez bien, vous faites bien et de cette façon, vous allez être bien. 야, see well. 해보세요. See well. 다 같이. Disons ensemble. Voir bien. See well. Voir bien. 네, 그 다음에. Dites-le moi. Répétez après moi. See well. See well. Ouvrez votre micro et dites see well. Voir bien. Voir bien. Do well. 해보세요. Voir bien. 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 Bien. Être bien. Voir bien. Voir bien. Voir bien. Bien.
잘 보고 잘 되고 잘한다고 하는 것도 중요하지만은 핵심은 내가 잘 되는 게 뭔가 하는 것이 핵심입니다. Non, de cette façon, nous partageons les trois mots clés: voir bien, faire bien et être bien. Mais il est important d'être bien et savoir ce que ça signifie avoir un coaching de donner, recevoir de qualité. 이런 부분을 우리가 놓쳐서는 절대 안 됩니다. Et mais il ne faut pas manquer le point central, à savoir. 이런 것은 대화하는 수행을 통해서 천심천보의 수행으로서 내 자신이 하늘 부모님이 살아계신 성전, 천심천보의 성전이 되는 것이 잘 되는 것이죠. Donc il ne faut pas manquer le point central à savoir que ça signifie que signifie pour moi être bien. C'est parce que ce genre de discussion et de pratique du cœur céleste que l'on peut, à travers ça, on peut devenir le temple où le parent céleste réside, le temple du cœur céleste de Chonbo. C'est pour cela que nous étudions le leadership interactif Well Coaching. 자, 다음에, Well Coaching 학습 목적이 무엇입니까? Donc, maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Apprendre le leadership interactif. Et à quoi est-ce que ça va amener, ça mène? Donc, on se forme au Well Coaching pour faire l'expérience de la voie de Chonbo, le trésor du ciel, de sorte que nous puissions établir Chonbo correctement. Qu'est-ce que nous 천보의 길, 천보의 가치를 바르게 세우고 그 비전을 확실하게 보므로서 See well, do well, be well라는 것이 이 공부하는 목적입니다. Donc le but réel de cet apprentissage est donc de voir bien, de faire bien, d'être bien par la voie d'une Chonbo, en établissant les valeurs correctes de Chonbo et d'avoir cette vision très clairement. 자, 그렇다면은 이 웰 코칭을 공부해서 얻는 효과가 뭐냐? Alors, quels sont les avantages d'étudier le leadership du donner et de recevoir Well Coaching? 소통 방법을 확실하고 분명하게 그리고 아름답게 할 수 있는 것을 우리가 배우게 됩니다. Donc, on apprend à communiquer clairement d'une belle manière. 이렇게 돼야 우리가 정말 다른 사람으로부터 존경받는 내가 되고 아름다운 내가 됩니다. Donc, dans cette façon, nous pouvons devenir des personnes qui vont comprendre mieux quoi être, qu'est-ce que c'est d'être Chonbo et être respecté par les autres. 그다음에 내가 지금까지 해왔던 리더십의 새로운 변화를 갖고 오는 거예요. 리더십이 변화된다. Et nous allons devenir un beau moi. Donc, un changement se fait alors dans le leadership que j'ai pratiqué jusqu'ici. 나 중심의 리더십이 아니고 나 중심의 리더십이 아니고 함께 움직이고 함께 사랑하는 상대 중심의 리더십을 배우게 됩니다. 그리고 이것을 번식시키는. Donc au lieu de diriger en étant centré sur moi, j'apprends le leadership centré sur les autres et vous pouvez toucher les autres en leur aimant. 그래서 천국을 향해 가는 우리들에게 아름다운 천보인이 될 수 있도록 하는 것이 우리가 얻는 효과가 될 것입니다. Donc alors vous aurez le pouvoir de multiplier ces choses et pour nous qui avançons vers Chonilguk, nous finissons par devenir de beaux Chonbo. 여러분들 정말 천보인이 되고 싶습니까? Voulez-vous réellement devenir une personne Chonbo? 그럼 우리가 천보인이 되기 위해서 어떤 실천을 해야 됩니까? Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour le devenir? 네. 세 명이 함께 가는 이런 사람들을 만드세요. Il faut trouver trois personnes qui peuvent travailler avec vous
et vous pouvez partager cette méthode avec eux. 그리고 그 사람들하고 같이 공유하는 겁니다. C'est ça qu'on appelle. Vous pouvez partager cette méthode avec eux. 그래서 우리가 코칭을 위한 삼위기대를 만든다 이렇게 말할 수가 있겠어요. Donc c'est ça qu'on appelle le fondement de Trinité avec trois personnes. 그래서 우리는 웰 코칭을 혼자 하는 것이 아니고 3명이 함께 하나가 되는 작업을 하면서 팀 조직을 위해서 앞으로 학습을 해나가게 될 것입니다. Donc pour cette raison, vous n'allez pas apprendre le well coaching seul, mais plutôt dans une équipe de trois personnes. 네, 다음. Next. 다섯 번째 PPT 넘겨주세요. 맞아요. 예, 웰 코칭은 일반적인 코칭하고 다른 점이 있어요. Le leadership interactive well coaching diffère du coaching en général. 내가 지금까지 몰랐던 일, 내 안에 잠들어 있는 거대한 Holy Spirit이 있다는 것을 깨닫게 되는 거예요. C'est être conscient qu'il y a une grande divinité sommeillant en moi et que je n'avais jamais connu jusqu'ici. 인성으로는 할 수 없었던 그 일을 우리가 깨닫게 됩니다. Donc le but de ce cours de coaching well ou well coaching est d'aider à trouver une divinité d'un idéal élevé en nous. 이런 신성을 찾아갈 수 있는 것이 웰 코칭의 학습 목적이 되는 것입니다. C'est ce que les gens n'arrivent pas à faire seuls. 또 우리가 이 신성만 찾는 것이 아니고 신성의 영향력을 내 안에 키워가지고 그 다음에 타인에게도 신성의 능력을 찾을 수 있도록 도와주는 것입니다. Donc, non content de chercher la divinité, nous essayons de la cultiver en nous et d'aider les autres en à faire ça de eux-mêmes. 그래서 결론적으로는 내가 참 자기를 찾게 도우는 것, 이것을 chamber presence라고 합니다. Donc en conclusion, d'abord, ça vous aidera à trouver votre vrai moi. Donc on appelle ça la présence chonbo. 이걸 스스로 깨닫게 돕는 것이 바로 well coaching입니다. Donc le well coaching est ce qui vous aide à réaliser cela vous-même. 날 만나서 여러분들이 함께 하게 되면은 바로 여러분 안에 있는 신성을 깨닫게 되고 그 신성이 여러분 안에 어떤 작용을 하고 여러분 안에 어떤 영향력을 미치고 있는지를 공유하는 것이 여러분들이 나와 함께하는 이유인 것입니다. Donc quand vous rencontrez et vous êtes unis à moi, vous êtes en mesure de réaliser cette divinité en vous et de savoir ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle vous affecte et puis de partager cela avec les autres. 두 번째는 하늘 부모님이 원하는 것, 내가 원하는 것, 당신이 원하는 것, 이걸 이룰 수 있도록 도와주는 일을 하게 됩니다. Donc deuxièmement, cela vous aide à accomplir ce que le parent céleste désire, ce que je veux et ce que vous voulez. 그래서 우리가 well-being의 삶을 살 수 있게 돼요. Well-being. Donc le well coaching nous aidera donc à mener la vie d'être bien, well-being. 예, 그래서 이 well coaching이 그걸 도와줍니다. Donc le bien-être survit comme un effet du bien voir et du bien faire. Well-being은 well-seeing, well-doing의 결과라서 well-being이 되는 겁니다. Donc le bien-être survit comme un effet du bien voir et du bien faire. 네, 세 번째로는 뭐냐면은 나 자신과 여러분, 가정과 사회와 우리 주변의 모든 환경과 세계에 아름답고 탁월한 리더가 되는 것을 돕습니다. Troisièmement, ça nous aide à devenir un leader beau et remarquable. Pour vous-même, votre famille, la société, l'environnement et le monde autour de vous. 우리는 웰 코칭으로 나 자신 스스로를 찾고 그다음에 아름다운 삶을 살면서 더 나아가서는 아주 아름답고 탁월한 리더가 되는 길을 학습할 수가 있게 될 겁니다. Donc grâce au well coaching, vous trouvez vous-même à avoir une vie belle et apprendre à devenir un leader remarquable vous-même. 여러분 정말 이렇게 배우고 싶습니까? Alors, est-ce que vous aurez besoin de connaître ce vous voulez devenir ce genre de coach? Yeah.
그렇다면 이제 우리가 웰 코칭하는 스타일과 방법을 알아야 되겠지 않아요? Donc alors vous aurez besoin de connaître le style et les méthodes de pratiquer le leadership interactif well coaching. 우리는 이제 대화 수행을 해야 된다. 대화 수행. Donc nous devons être bons dans la conversation. 예, 이 대화 수행을 한번 우리가 실천해 봐야 돼요. Il faut donc pratiquer cela l'un avec l'autre. 이걸 우리가 수행이라는 표현을 했습니다. 수행. J'ai décrit ce processus comme le cours de dévotion, 수행. 왜냐하면은 우리가 살아왔던 습관들이 있기 때문에 이거 쉽게 변화되지 않아요. 대화하는 습관이. La raison que j'appelle ça dévotion ou 수행, c'est parce que nos habitudes sont très ancrées et ne changent pas facilement. 근데 대화 수행 코칭을 통해서 내 자신이 신 자기가 되어야 되고 신 가정이 되고 신 종족이 되어야 되기 때문에 이거를 멈추지 말고 지속적으로 포기하지 말고 수행하는 마음으로 자기부터 이 일을 해 나가야 됩니다. 이걸 셀프 코칭이라고 합니다. Donc mais ce coaching de conversation vous aidera à devenir un moi céleste, un membre de la famille céleste et un membre de la tribu céleste. Alors vous ne vous arrêtez pas en chemin, ne renoncez jamais. Commencez cela en vous avec l'esprit d'un apprenti du cours de dévotion Chonshim Chonbo. C'est ce qu'on appelle le leadership de donner et recevoir. Donc, pour y arriver, vous allez former une équipe, vous allez aussi apprendre à étudier ceci, et puis vous allez, avec votre équipe, élargir cela, élargir le cercle d'influence, et c'est à cause de ceci qu'on étudie ensemble. Donc, si nous arrivons à faire cela correctement, et puis étudier ensemble et se joindre à accomplir avec d'autres personnes pour accomplir leurs espoirs et leurs buts, cela va élargir le cercle d'influence des personnes Chonbo. Yeah, 이제 이런 내용을 가지고 우리가 함께 웰 코칭의 비전을 한번 그려보십시다. Maintenant, avec ce contenu, établissons une vision du leadership interactif well coaching. 네, 다 같이. 이 비전을 함께 큰 소리로 음향을 키면서 한번 읽어봅시다. 다 같이. Lisons ces lignes à haute voix tous ensemble. 큰 소리로 읽어보십시오. Lisons ensemble. Nous voulons mener une vie heureuse, non seulement ma famille et moi. PPT 꺼도 되겠습니다. Merci beaucoup. 예, 고맙습니다. 여러분, 우리 그 웰 코칭의 비전을 그려보니까 어떻습니까? Maintenant qu'on a lu la vision ensemble, qu'est-ce que vous pensez? 여러분들 꿈이 보이지 않습니까? Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas, vous voyez un peu plus le futur, votre rêve? 우리가 430 과정 하는 것도 중요하지만은 정말로 천보 과정이 되려면은
이렇게 내 자신을 바꿔야 됩니다. Donc c'est vraiment très important de devenir des Chonbo, des familles Chonbo et de vouloir devenir cela. Mais la chose la plus importante encore, c'est de vouloir comprendre comment changer soi-même, devenir un bon soi. 그래서 이렇게 바꿔지는 작업을 우리가 자꾸 스스로 연습하고 팀을 만들어서 연습을 하면서 자꾸 수행을 해나가야 된다는 것이죠. Donc au fait, nous devons tous les temps trouver une façon pour changer et changer et puis devenir des meilleures personnes. Et à cause de ça, on doit faire suheng. Suheng, c'est-à-dire beaucoup de dévotion pour être capable de changer notre caractère. 그래서 이렇게 이 그 코칭을 열심히 공부하고 배우고 난 다음에 말레이시아의 교회 같은 데서는 이거를 익히면서 여러분들이 홈 그룹을 같이 하니까 교회가 굉장히 발전된다는 것입니다. Donc par exemple dans le cas de la Malaisie, ils étudient avec moi comme ça et puis après ils utilisent cette les informations qu'ils ont étudié ensemble et puis ils changent un peu et ils font des home groups et puis vraiment ça développe très bien. 자, 우리 두 번째 비디오를 보시겠습니다. 그러면. Bon, regardons la vidéo. 우리가 관리자냐 리더냐 하는 그런 생각을 하게 되는 비디오가 됩니다. Ça va nous faire réfléchir si nous sommes des leaders ou nous sommes des managers. Yeah. 여러분들은 관리자인가? Leaders. My name is Jiahui Kim. I'm the director of HDM department. Bonjour, je m'appelle Madame Kim. Je suis directrice de Messi Tribal en Malaisie. Sorry, cukup tak kaget jusqu'à ça. The content I would like to share to you is first. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, je vais partager avec vous à propos de Messi Tribal en Malaisie et Leader School 1, Self Coaching Base 5, le système d'éducation de pour témoignage ici en Malaisie. I would like to give you a picture about Malaysia. Le contenu. Donc d'abord, je vais vous montrer une photo sur la Malaisie et vous expliquer un peu plus sur les témoignages et les difficultés que nous avons. Nous avons commencé d'abord avec le professeur Gill en 2017 et nous avons créé des home groups. But we couldn't break through to raise them up to become. Donc, nous avons plus de 120 familles bénies et parmi elles, il y avait une trentaine de familles bénies, soit un tiers des familles bénies. Qui n'arrivaient pas à participer aux activités de témoignage. Mais à travers le groupe de HTM, le contenu de HTM et le Leadership School, nos groupes de maison et nos groupes de maison et leaders HTM, ensemble, on a travaillé ensemble et on a fait en sorte que beaucoup de personnes, au fait, ont été plus intéressés à développer leur groupe et inviter d'autres personnes à travers ce self-coaching base 5, which is a very universal educational content. So I would like to explain to you first the Malaysia HTM. Donc j'aimerais vous expliquer le système de base auto-coaching 5 de Malaisie. Les cinq bases comprennent premièrement des supporters. Deuxième base, c'est constituer des membres enregistrés. La troisième base est constituer des membres associés. La quatrième base, des membres réguliers. Et la cinquième base sont des membres principaux. Pour faire fonctionner ce système de cinq bases, nous devons établir deux parties. La première partie, le premier est le groupe résidentiel et l'autre, c'est, ce sont ceux qui sont au siège. Donc, les groupes de maison ont besoin de diriger leur activité et nous avons un programme Happy Days avec 9 leçons. L'exécution de ce programme est la responsabilité des groupes de maison et ils doivent fournir des programmes à tous les niveaux, pour les VIP et les invités. Ensuite, la première partie à faire part de siège et des. La première partie fait. Les gens venus au centre. Nous organisons des ateliers, des master coaching, des principes divins et d'autres. Et puis nous leur demandons
d'élever leur vie spirituelle. Et en deuxième partie, on travaille en collaboration avec les 16 autres parties. Et depuis janvier dernier, en 2021, nous avons organisé de nombreux types d'ateliers et en ligne en utilisant la plateforme Zoom. La plupart des familles bénies parlent chinois et nous avons organisé des groupes en chinois et des happy days aussi où on les a fait, on fait master coaching avec eux. Deuxièmement, je voudrais partager avec vous les résultats que nous avons obtenus après avoir appliqué ce système de base self-coaching 5 pendant environ 6 mois. Après 6 mois, nous avons pu constater un résultat avec une augmentation de pourcentage de sympathisants qui deviennent des membres enregistrés. Ce pourcentage de membres inscrits qui deviennent des membres associés aussi. Enfin, lorsque ils sont devenus des membres associés, nous les avons encouragés dans le programme de rassemblement de groupes de maisons 6 semaines. Et pendant 4 cycles avec le professeur qui nous a enseigné, parmi les 24 membres associés que nous avions, tous se sont joints à ces rassemblements de maisons. Et cela présente 100% de réussite dans la formation des nouveaux membres des groupes de maisons. Notre objectif est de continuer à élever ces membres pour qu'ils deviennent des membres réguliers. Donc, nous avons tous des nouveaux membres qui sont en train de sourire ici dans notre rassemblement des maisons 4 cycles parce que à cause de la pandémie COVID-19, comme c'est très grave en Malaisie, nous ne pouvons pas faire d'activité face à face, mais nous pouvons quand même faire Zoom. Et nous organisons également des rassemblements de différents groupes utilisant Zoom. Donc, même si on est en ligne, tous nos membres attendent avec impatience ces rassemblements. Et pendant ces 4 chaque semaine, ils ne manquent pas de rencontrer d'autres frères et sœurs. Et lorsqu'ils se joignent à nos réunions en ligne, ils ressentent l'amour du parent céleste et des vrais parents. Donc, grâce au partage avec des frères et sœurs, ils peuvent être vraiment inspirés et leur vie ne cesse de changer. Eux-mêmes, ils sont en ligne avec. Ils ont été donnés beaucoup de témoignages. Ils donnent beaucoup de témoignages sur combien de frères et sœurs leur manquent pendant les réunions hebdomadaires. Ils peuvent aussi voir de l'espoir à travers ces auto-coaching de 5 bases, car ils sentent que c'est ainsi qu'ils peuvent vivre heureux. Et qui peuvent devenir des familles idéales ou des personnes très joyeuses. Pour tous ces nouveaux membres, leur vie change totalement. Leur état d'esprit est en train de changer. Leur cœur va mieux en mieux et ils deviennent de plus en plus heureux. Même nos familles bénies sont tellement émues quand nous les voyons grandir semaine après semaine que nous commençons à les guider un par un. Parce que nous les guidons un par un. 20 of them is from the social media approach. And it's donc, jusqu'à la fin du mois, nous avons un autre nouveau record. Nous avons réussi à inviter 69 nouveaux invités à travers des événements Zoom en ligne. Et parmi 20 d'entre eux, ils ont été introduits à travers des différents médias sociaux. Cela a vraiment donné un nouveau impact. Et nous avons senti que c'était la voie à suivre. Même si c'est en ligne, tous les participants apprécient vraiment ces programmes. Ils nous aiment, ils veulent se réunir avec nous parce qu'ils ressentent une telle bonne énergie positive de notre part et de nos frères et sœurs, même s'il s'agit des Zooms en ligne. Donc, nous avons réussi à faire 32 nouveaux invités à venir dans notre Happy Days, 123e Happy Days. Et vraiment, on sent que le Parent Céleste existe avec nous et nous supporte. Maintenant, nous développons également une version anglaise du programme auto-coaching afin que nous pouvons également offrir ces avantages aux Malaisiens. Donc, de plus en plus, ils sentent qu'ils sont les enfants du Parent Céleste, les enfants des vrais parents.
So they can understand very deeply and they determine themselves, they want to practice. Et ils peuvent, comme ils comprennent ceci, ils sont déterminés à changer leur vie. Ils veulent changer leur vie en se concentrant sur leur conscience et sur le parent céleste pour vivre une vie heureuse. Version of self-coaching, which we want to benefit. Donc, comme j'ai dit, nous allons développer également une version anglaise de self-coaching. The Japanese version of self-coaching. Et puis, juin, nous avons également développé une version japonaise du programme self-coaching Simba, dirigé par nos épouses bénies japonaises. Quand ils se sont réunis pour écouter la leçon de Happy Day, ils étaient tellement, tellement inspirés, ils étaient tellement énergisés, ils étaient aussi déterminés à témoigner. Et ils souhaitent amener leur famille et leurs proches et leurs amis à rejoindre le programme self-coaching Saint. Donc, j'aimerais partager avec vous un témoignage de notre groupe d'appartenance Leadership 3 avant de commencer à exécuter ce programme HTM Leader School Self-Coaching Base 5. Ce groupe de maisons et tous nos autres groupes de maisons avaient des difficultés à recruter de nouveaux membres. Mais après avoir appliqué le programme Self-Coaching Saint de base, nous avons pu avoir d'énormes changements et des miracles se sont produits. Donc, avant cela, le groupe n'avait que 8 personnes. Après 6 mois, on comptait 36 membres parmi eux. 9 étaient des nouveaux membres et le pourcentage d'augmentation du nombre des membres était à 350%. C'était très inspirant pour nous de voir, de ressentir cela, que c'était la bonne voie. Nous étions grâce à ce programme de 5 bases, nous pouvons produire des résultats et récolter des résultats. Nous sommes convaincus que si les gens passent par ce programme de 5 bases, étape par étape, nous pouvons les élever après être devenus membres enregistrés. Ils peuvent enfin devenir des membres réguliers. Donc, ces 9 membres sont nés après 43 jours grâce à ce programme de base de self-coaching. Et tous les 9 sont tellement inspirés. Deux d'entre eux ont même commencé à témoigner. Après une très courte période, ils ont commencé à amener d'autres nouveaux amis à rejoindre le programme self-coaching base 5. Ainsi, ils grandissent avec leurs nouveaux invités lors de rassemblements de groupes de maison et ils pratiquent actuellement des lectures toké et prient et pratiquent également d'autres auto-coachings. Donc, ils sont en train de grandir et grandir grâce au système self-coaching. Donc maintenant, quatrièmement, quel est le point? Le point pour réussir grâce à ce système d'auto-coaching sain. En Malaisie, afin de mettre en œuvre avec succès, nous avons utilisé quelque chose que nous appelons ABC soup. See well, do well, be well. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire voir bien, faire bien et faire bien. Healing section. This is a coaching healing section. Donc, c'est un temps de coaching, de réveil et de guérison, une séance de guérison qui apporte un effet à tous les membres en sensibilisant leur croissance spirituelle grâce à l'apprentissage des compétences de coaching. Cela leur permet de voir bien et leur situation de croissance spirituelle et ce qui leur est arrivé. Ensuite, nous utilisons des techniques de guérison pour les aider à se débarrasser de leurs ombres du passé. Et nous utilisons aussi le contenu d'auto-coaching qui est la purification de Johnson. Ensuite, ils peuvent commencer un nouveau départ avec une vie nouvelle. Et puis, on les encourage à joindre la partie B, donc qui est Leader School 1, self-coaching. Donc, ils viennent et lorsqu'ils parcourent ce système, ils s'entraînent niveau par niveau et réalisent ce qu'ils doivent faire. Ils se relancent, cela et donnent une détermination. Ils ont un désir de témoigner. Et puis, on se référer au rassemblement des 4 cycles centré sur la trinité de groupe.
des maisons. Dans cette trinité, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Ainsi, nous nous concentrons sur les trinités de groupes de maisons et on se rassemble, on apprend ensemble et chaque semaine à travers des réunions, nous avons un programme de 16 semaines. De cette façon, le groupe de maisons forme une base et devient une maison où nous pouvons nourrir la vie spirituelle de tous nos nouveaux membres. Dans le passé, nous n'avions jamais eu ce genre de système de suivi. Mais depuis que nous avons établi ce système de rassemblement de groupes de maisons, nous avons maintenant une base là-bas. Et les nouveaux membres reviennent dans ce foyer spirituel et peuvent ressentir l'amour du parent céleste. Ils peuvent ressentir l'amour du vrai parent. Et ils peuvent ressentir l'amour des frères et sœurs. Chaque jour, nous grandissons ensemble. C'est ainsi que nous pouvons nous pouvons voir et ressentir comment aller de l'avant. Donc, en conclusion, nous pouvons comprendre à quel point nous sommes reconnaissants pour ce système de self-coaching de base. C'est un cadeau du parent céleste et des vrais parents qui convient à la vie de la culture malaisienne. Et nous avons réalisé qu'il s'agit d'un nouveau système de témoignage et d'éducation de Chonego. Et c'est un nouveau système de témoignage, d'éducation de Chonego. Et nous pouvons faire ceci ensemble parce que c'est très, très simple. Le contenu du matériel est simple. La pratique est facile. Et mettre en pratique, c'est dans la vie. Des personnes de tout âge, de tout caractère, nos familles bénies commencent à témoigner et ont regagné leur confiance pour témoigner. Practice and teach together. Three generation, blessed family, single family, or even second. Avec ces trois concepts, nous sommes capables aussi ils ont senti qu'ils sont capables de enseigner. Toutes les générations sont capables d'enseigner au fait et créer une culture de Chimjong très saine. So we believe this self-coaching five base. It is our base foundation, and we want to develop more. Donc nous avons confiance à cette base. Ça c'est notre base, c'est notre fondation, et nous pouvons à travers cela développer davantage pour approcher le public et ouvrir la voie de plus en plus de personnes et hors de l'Église. Nous pensons restaurer un tiers de la population du monde grâce à ce système de témoignage en ligne. Et ensuite, nous pouvons laisser toutes nos familles bénies accomplir la mission de Messie Tribo Céleste et devenir des couples de Chombo substantiel. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Good day to Professor Gear and all the world leaders. My name is Chiang. Bonne journée à vous tous. Je suis sûr que vous avez vraiment été touché en voyant ceci, n'est-ce pas? Oui. 이렇게 웰 코칭을 공부하고 난 다음에 C웰, 2웰, B웰을 알고 난 다음에 après avoir étudié le well coaching, après avoir compris ce que c'est de bien faire, être bien et voir bien, 이런 큰 변화가 생겼어요. Beaucoup de choses changent dans votre vie. Et c'est comme ça que ça a changé dans leur vie. 그래서 우리 불여권 우리 식구님들도 이걸 잘 이번에 익혀가지고 여러분들 스스로 큰 발전하길 바랍니다. Donc j'espère que vous pouvez écouter aujourd'hui et puis garder ça dans votre cœur et trouver un moyen pour vous développer vous-même. 자 그럼 우리가 코치가 될 것인가 관리자가 될 것인가 하는 내용을 놓고 다시 한번 우리가 공부를 해보겠습니다. 두 번째 부분. Donc, nous allons réfléchir maintenant à propos d'être manager ou leader interactif. Qu'est-ce que ça veut dire et quel genre de personne on doit devenir ou quel genre de personne est-ce qu'on est? 예. 지금 이 시간은 우리가 관리자가 뭐냐, 리더가 뭐냐 하는 것을 우리가 생각해 보는 시간이 되겠습니다.
Donc, on va réfléchir. Nous observons à présent la différence entre un manager et un leader interactif. 내 자신이 관리자냐 아니면은 리더형인가 이런 것을 생각해 봅니다. Vous pouvez appliquer cette question à vous-même. Suis-je un type manager ou un type de leader interactif? 여러분 우리가 관리자 리더에서 얘기 앞서 이 한번 그림을 보시기 바랍니다. Non, d'abord, il faut essayer d'arriver à combiner ce type de valeur de leader interactif avec un style de leader de manager en même temps. Est-ce qu'on peut combiner cela? Regardez les photos. 물에 빠진 사람을 구하는 그림이지요. Donc, arrivez, regardez cette image. On y voit un homme sauvant une personne qui se noie, n'est-ce pas? 일반적으로 물에 빠진 사람 구할 때는 어떻게 합니까? Donc, qu'est-ce qu'on fait d'habitude pour sauver quelqu'un de la noyade? 물에 직접 뛰어들어서 구하는 사람이 있는가 하면은 이렇게 말하자면은 이 소위 사다리를 주는 사람이 있습니다. Donc la personne qui il y a des personnes qui sont directement à l'eau et sauvent quelqu'un de la noyade, ce sont les il y a des gens qui peuvent sauver comme ça, il y a d'autres qui vont amener des choses comme cette personne une échelle pour sauver. 예, 물에 직접 들어가서 구하는 사람은 우리가 관리자 스타일이라고 생각해 보는 반면에 리더형 스타일은 물에 빠진 사람이 스스로 나올 수 있게끔 사다리나 튜브 같은 거를 주면서 이거를 이용해서 자기가 나올 수 있도록 하는 사람이 바로 리더입니다. Donc la personne qui saute directement à l'eau et sauve quelqu'un de la noyade est c'est quelqu'un de quel style? On peut dire que vous pouvez plutôt dire que c'est plutôt un style de type manager. D'un autre côté, le leader interactif c'est celui qui va qui donne à la personne qui se noie quelque chose comme une échelle ou un tuyau pour l'aider à sortir de l'eau par elle-même. 또 다른 사진을 한번 봅시다. Regardons une autre image. Une autre image. 요거는 나침반이고 요거는 시계입니다. On voit une boussole et une horloge. 어떤 것이 리더를 나타내는 이미지 같습니까? Laquelle vous rappelle l'image d'un leader interactif? 나침반은 방향을 가리켜 주는 것입니다. La boussole vous indique une direction. 시간은 짝깍짝깍 제한된 어떤 시간을 가리켜 주는 거죠. Et l'horloge mesure un temps limité. 여기서 이 리더는 나침판과 같다라고 보면 됩니다. Donc l'image de la boussole nous rappelle de donner recevoir qui donne une direction. 이 시계는 관리자를 나타내는 이미지다 이렇게 생각하면 되겠습니다. Donc quand l'horloge ça donne ça nous rappelle d'un manager qui gère son travail dans le cadre de temps limité. 네, 여러분들은 어떤 스타일의 리더입니까? Quel est le type de leader que vous êtes? 관리자입니까, 리더입니까? Vous êtes manager, vous êtes leader interactif. 자, 그럼 우리가 리더와 관리자의 스타일을 좀 더 구체적으로 생각해 보겠습니다. Donc voyons de plus en détail la différence entre le leader interactif et un gestionnaire. 리더는 어떤 일을 만났을 때 왜 이걸 해야 되는가 하는 걸 생각하게 됩니다. Donc devant un problème, le leader interactif se dira pourquoi est-ce que je dois faire ceci? Why를 강조합니다. L'accent est sur le pourquoi. 그 일의 의미와 가치에 관심을 둡니다. Sur le sens et la valeur du travail. 근데 관리라는 이걸 어떻게 할 것인가 하는 그런 어떤 그 방법론에 관심을 갖습니다. Mais le gestionnaire dira comment s'y prendre et privilégiera la méthodologie et le comment. 네, 관리자는 주어진 일에 안내이고 효과적인 그 효율적인 방법을 잘하는 사람들이 관리자고 리더는 옳은 일을 하려는 사람들이 리더입니다. Donc être gestionnaire c'est vouloir faire des choses de façon efficace. Alors qu'être un leader interactif, c'est vouloir agir de façon effective. 네. 그 영문으로 표현하자면은요, 그 관리자는 do things right, 그리고 리더는 do the right thing이라고 말할 수가 있습니다. Donc, une autre façon d'expliquer, c'est le gestionnaire veut faire des choses, veut faire un bon travail en étant sur la bonne voie. Pardon. Le leader veut faire un bon travail sur la bonne voie et le gestionnaire veut faire les choses bien. Le leader interactif veut faire la bonne chose.
다음으로는 리더가 해야 할 일보다는 리더는 해야 할 일보다는 사람을 더 일을 하는 사람을 더 중요하게 생각하죠. Ensuite, le leader interactif met l'importance sur les personnes qui effectuent le travail plutôt que le travail lui-même. 그런데 관리자는 사람보다는 일, 프로젝트, 해야 될 일의 성과 관리에 더욱 집중합니다. Donc la gestion se concentre sur les tâches, les projets, les choses à faire et la performance plus que les personnes. 리더가 조직의 효과성, 즉 바르게 하는 것을 추진한다면 관리자는 효율성, 잘하는 것에 관점을 두게 됩니다. Donc si les leaders interactifs veulent agir de façon effective, à savoir faire la bonne chose, les gestionnaires se soucient de l'efficacité et de bien faire le travail. 여러분, 일을 암만 잘하더라도 바르게 해야 되지 않습니까? Même si vous êtes bon à votre poste, vous devez le faire bien. 그래서 리더는 일의 올바른 방향을 제시하는 자라면은 관리자는 정한 일에 잘 따르게 하는 방침을 잘 따르게 하는 자를 관리자라고 합니다. Donc un leader interactif est quelqu'un qui donne la direction juste pour le travail et un manager est quelqu'un qui s'assure à suivre la politique établie. 여러분 어떤 스타일입니까? Alors quel genre de leader êtes-vous? 예, 첨부 과정은 어떤 사람이 되어야 될까요? Essayons de résumer nos pensées. Quel genre de personne doit être une famille Chonbo? 자, 여러분 스스로 판단하는 시간을 한번 가져보세요. Donc prenez le temps de penser à vous. 나는 리더 스타일이냐, 관리자 스타일이냐? Je suis de style interactif ou plutôt manager? 또 어떤 때는 관리 스타일도 되었다가 어떤 때는 리더 스타일도 되고 그렇습니까? Ou bien alors, parfois je privilégie la gestion et parfois le leadership interactif. 여러분들은 현장에서 이런 것들을 공유하는 시간을 만들어서 프리스쿨이라든가 그다음에 포스트 아프터 스쿨 같은 데서 함께 생각해 보는 것이 이번 과제입니다. Donc nous vous encourageons à penser ensemble avant ou après le cours de partager cela sur le champ d'action. Ce sont vos devoirs pour ce cours. 예. 그다음에 리더가 하는 일은 뭐냐? Donc qu'est-ce qu'un leader interactif doit faire? 리더는 어떤 일을 할 때 그 계획을 수립하죠? Donc un leader interactif fait d'abord un plan et une fois que c'est fait, il visualise ce que ça va donner. 그다음에 그 일을 마쳤을 때 어떤 결과가 나올지 미리 검토를 합니다. Donc il visualise ce que ça va donner. 그리고 그다음에 이 일을 누구한테 맡겨야겠나 하고 그런 사람을 찾습니다. 업무를. Donc ainsi tout en pensant je vais faire effectuer cette tâche par tel ou tel ou bien qui sera bon pour faire ce travail. Il délègue les tâches. 그래서 그 일을 위임합니다. Donc il délègue les tâches à ses subordonnés. 여러분들은 자기가 맡은 일을 다른 사람에게 얼마나 위임하고 있습니까? Donc à quelle fréquence déléguez-vous et partagez-vous les tâches avec les autres à travers l'action de donner et recevoir? 이처럼 리더는 위임하는 사람이에요. De cette façon, le leader interactif est quelqu'un qui délègue les tâches par l'action de donner et recevoir. 그래서 그 업무를 위임함과 동시에 업무를 행하는 과정 속에서 어떤 문제가 생기면은 핵심을 파악해서 그 문제를 해결할 수 있도록 추진합니다. Donc de cette façon le leader interactif est quelqu'un qui délègue les tâches par l'action de donner et recevoir. 그다음에 업무를 다 마쳤을 때 스스로 평가를 해야죠. 평가를 합니다. Donc après avoir délégué les tâches, si un problème surgit en cours d'exécution, il identifie la question et s'efforce d'aider à résoudre le problème. 사람에게 어떤 문제가 생기면 왜 이런 문제가 나왔는지 혹시 대인 관계가 어떤가 하는 문제를 해결할 수 있어야 됩니다. Donc ensuite, après avoir accompli votre tâche, il faut s'évaluer soi-même. Par exemple, si quelqu'un avait un problème, vous devez pouvoir le résoudre et puis savoir pourquoi le problème a surgi et comment étaient les relations interpersonnelles. 그리고 리더는 자기 자신의 더 일을 잘할 수 있도록 자꾸 자기를 개발하고 창의성을 갖다 개발하는 사람입니다. Donc un leader est une personne qui ne cesse pas à peaufiner, à se raffiner
pour son développement personnel, de façon à pouvoir mieux faire la prochaine fois. 그리고 리더는 혼자서 일하지 않습니다. Donc le leader, autrement dit, il a de bonnes interactions avec les autres. Il ne fait rien seul. 팀이나 기대를 만들어서 일을 합니다. Donc il travaille avec les autres. 이런 팀은 코칭을 통해서 좋은 관계를 이끌어 나가는 자가 리더가 되겠습니다. Donc par ailleurs, le leader interactif ne perd pas seul, mais en construisant une base collective avec un travail d'équipe, il incombe au leader interactif de construire de bonnes relations à travers le coaching et ensuite de guider une équipe. 네, 이런 리더는 변화에 대처하는 능력이 있습니다. Donc ces leaders interactifs ont la capacité de répondre au changement. 그 한 예로 여러분 알다시피 2020년 초에 시작된 코로나 위기로부터 생각지도 못한 일이 우리한테 벌어지고 있습니다, 지금. Donc par exemple, le monde connaît des péripéties incroyables à cause de cette crise de COVID-19 qui a commencé au début de 2020. 여러분 세상이 이렇게 될 줄 누가 알았어요? Qui savait que les choses prendraient cette tournure? 아무도 몰랐어요. Personne dans cet environnement en mutation rapide. 이런 급변하는 상황에서 관리자 스타일의 지도자들은 모든 경영이 어렵게 됐습니다. Donc le leadership de ce type de manager traverse une période difficile pour gérer 그런데, tous les affaires. 그런데 변화에 대처 능력이 뛰어난 리더가 되는 지도자라면 어떻게 했겠습니까? En particulier nos activités avec la sainte communauté des parents célestes sont devenues plus intenses. 특히 하늘 부모님 성의 우리들의 활동은 온택트 시대에 더욱 활발해졌고 세계에 큰 영향력을 지금 발휘하고 있지 않습니까? Et dans cette ère sans contact, on a exercé une grande influence sur le monde. 이건 참어머님의 평화에 탁월한 리더십이 있었기 때문에 그런 겁니다. En effet, la vraie mère a une excellente capacité de leadership interactif dans la paix. 그리고 우리끼리 이렇게 줌을 통해 가지고 코칭 수업을 하는 것도 마찬가지라고 볼 수 있어요. Donc on se rassemble, on voit que c'est pareil pour nous. Les classes de coaching, grâce à cette plateforme Zoom, on arrive à se voir comme ceci. 예전에 우리가 직접 한 자리 모여서 수업을 했잖아요. 그런데 이제는 만나러 섰기 때문에 줌을 통해서 수업하고 수업 끝나면 여러분들은 여러분들끼리 또 3명의 멤버들과 함께 다시 또 함께 일하는 과정이 이르게 됩니다. Dans le passé, on se rassemblait quelque part pour enseigner, mais maintenant qu'on ne peut pas se rencontrer en personne, l'enseignement se fait par Zoom. Quand la classe est terminée, nous faisons nos activités par nous-mêmes avec notre entourage. 이런 것들이 바로 새로운 능력에 대처하는 능력이 아니겠습니까? Donc N'est-ce pas une réalité vraiment éprouvante? Alors que vous aurez plus d'un grand impact sur votre entourage et notre influence a grandi à ce qu'on fait à travers ce genre de Zoom et en suivant ce que les leaders interactifs font. 그래서 리더는 실질적으로 스스로 실천하면서 그 모습을 보여주게 되고 이런 과정을 겪는 리더는 관리자 입장을 넘어서게 되는 거죠. Donc le leader montre en fait un bon exemple en pratiquant de son côté et un leader qui a traversé ce processus dépasse l'attitude de gestion. 그래서 우리는 관리자가 아닌 리더 입장에 대해서 자녀들을 키우고 우리 조직 내에서 교회나 사회 안에서 직장 안에서 우리가 무엇을 어떻게 해야 될지 창의적으로 고민하는 그런 사람이 되어야 될 겁니다. Donc il faut devenir des leaders interactifs, pas simplement des gestionnaires. Élever nos enfants, être en position de penser de façon créative sur ce que nous devons faire dans notre organisation, au travail, dans l'église et dans la société. 그래서 창의국은 하늘 봄에 참보 리더들이 이끌어가는 그런 세계가 되어야 됩니다. Donc le Chonilgup doit être un monde guidé par les trésors célestes, les leaders Chombo, par l'action et le donner, recevoir. 네, 이제는 시대가 변했습니다. Le temps a changé. 시대가 변했어요. Le temps a changé. 관리자 스타일 시대에서 리더십을 가졌습니다. 관리자 스타일에서 리더 스타일.
on a passé d'un style de gestion à un leadership axé sur l'interaction. 기존의 왕처럼 군륜하거나 카리스마적 입장에서 지도하는 그 지도자들에게는 아무도 따르지 않습니다. Nul ne suit les leaders qui dirigent comme des rois et qui se fient à leur charisme. 그래서 다니엘 고만 같은 사람은 이제는 감성의 리더십을 가져야 된다고 얘기를 했어요. Daniel Coleman dit que nous devons maintenant comprendre le pouvoir de l'intelligence émotionnelle. 네, 감성의 리더십 네 가지가 있습니다. Donc il y a quatre types de intelligence émotionnelle. 자기 스스로 알아채릴 수 있는 self-awareness가 있죠. Donc la conscience de soi-même et à se connaître. 그다음엔 자기 자신을 알아채므로 끝나지 않고 관리할 수 있는 self-management가 있습니다. Ensuite, il a dit qu'on a, on doit pouvoir faire de l'autogestion. 이렇게 자기 자신에게 생긴 일을 알아채리고 그다음 자기를 컨트롤할 수 있게 돼야 돼요. 그것이 세움의 셀프 코칭을 할 수 있어야 됩니다. Se gérer soi-même en dépassant la conscience de soi. 이건 자기 자신에게만 해당되는 것이 아니고 소위 자신과 사회 관계 속에서 사회적 능력에 따라서 내 주변에 일어난 일을 잘 알아낼 수가 있어야 됩니다. Donc, il faut être conscient de ce qui se passe en soi, alors on peut contrôler et puis appliquer le coach interactif à son propre cas. 이걸 social awareness라고 합니다. Ça ne se limite pas seulement aux relations sociales. Vous êtes capable de reconnaître ce qui se passe et, autour de vous et vos compétences sociales. On appelle 네, cela la conscience sociale. 그래서 이 주변에서 이걸 인식했으면 스스로 컨트롤할 수 있는 그런 기술이 있어야 되기 때문에 네 가지의 자기 인식 능력, 자기 관심 능력, 그다음에 사회적 능력과 사회적 관리 스킬이 있어야 되는 거죠. Donc une fois que nous avons reconnu notre entourage, vous devez avoir le don de contrôler ce que vous percevez autour de vous. Il faut donc avoir quatre talents: conscience en soi, la gestion de soi, conscience sociale et la gestion des relations. 따라서 우리가 이 공부하는 이유가 뭐냐 하면은 일상생활하는 가운데 내 스타일에서 나 중심적인 스타일에서 벗어나서 상대 중심적인 스타일, 그런 스타일로 천보 스타일로 바꿔가야 되는 것입니다. Dans l'école des leaders de Chonbo, où nous étudions actuellement, vise donc à devenir des leaders qui soient réellement les trésors du ciel, les Chonbo. 예, 다음 장 넘겨주세요. Donc, un état de réel Chonbo et un rompant avec le style centré sur soi. 여러분들 어떤 사람들이에요? 여러분 어떤 사람들입니까? Alors, quel genre de type êtes-vous? Quel genre de personne êtes-vous? 내 자신을 스스로 생각할 때 self-awareness, 나는 어떤 사람이에요? 내가 있는 가정은 이 가정에서 내 역할과 내 모습은 어떤 모습으로 나타납니까? Donc, quand je pense à moi, est-ce que je pratique vraiment ce qui est, est-ce que je pratique fréquemment ce, le donner et recevoir avec mon âme originelle? Est-ce que j'ai cette conscience de moi-même? 내가 다니는 교회나 직장 이런 데서 나는 어떤 모습으로 비춰집니까? Quand, qui suis-je? Comment, ma, comment la famille où je vis représente-t-elle mon rôle dans la famille? 이 시간은 리더와 관리자를 생각해 보면서 나는 과연 어떤 자인가, 우리는 어떤 사람들인가 하는 걸 확실히 알 수 있어야 됩니다. Comment suis-je? Serais-je vu dans l'église que je fréquente dans mon travail ou dans la structure sociale que j'appartiens? Durant ce cours, nous avons eu le temps de penser au genre de personnes que nous sommes et tout en parlant de leader interactif ou gestionnaire. Nous, 나에 대한 것을 확실히 알 수 있어야 타인에 대한 것도 알 수 있고 내 행동과 내 습관을 리더 습관을 갖는 것이 좋겠다는 것을 알게 될 수 있습니다. Donc, nous sommes donc arrivés à savoir que seulement si je connais moi-même, je peux comprendre les autres. Il est bon de m'habituer à être un leader dans mes actes. 예, 예전에 전통적인 관리자 지도 모습은 이 그림하고 같아요. Donc un leader de style gestionnaire pense général au problème des insuffisances par rapport aux autres. Donc ça c'est un peu comment c'était au passé. 예, 관리자 스타일의 지도자는 부하를 대할 때 항상 그가 문제가 있다고 생각하게 됩니다. 부족하다고 생각하죠. Donc il pense toujours d'abord qu'il y a un problème. Et c'est la pensée égocentrique. 그렇기 때문에 그걸 가르쳐야 된다고 생각해요. 가르쳐야 된다고 생각해요. Pourquoi il pense qu'il a le devoir de enseigner et donner des directives. 그래서 지시와 명령을 하게 됩니다. Quand ça se passe ainsi, le pouvoir intérieur
le pouvoir intérieur de ses subordonnés se rétrécit et s'affaiblit. 그 사람 안에 있는 내면의 파워가 이렇게 줄어드는 거예요. 점점 줄어드는 그 때문에. Parce qu'il cherche seulement à donner le pouvoir, il veut exercer le pouvoir. 그럼 그 사람 안에 있는 파워가 줄어들면서 위축되는 거예요. 점점 점점 점점. Donc ainsi, ses subordonnés se rétrécit et s'affaiblit. 이런 사람들은 관리자가 시키지 않으면 아무것도 할 수가 없어요. Donc ceux qui se sont sous de tels gestionnaires finissent par ne plus faire ce qu'on leur demande de faire. Ils deviennent des incompétents. 이런 스타일의 관리자들은 뭐냐면 항상 자기 중심적으로 모든 걸 생각하게 됩니다. Donc ils sont incapables d'agir en instruction. Les personnes de ce type de manager dans les organisations font tout de façon égocentrique. 여러분들은 어떤 스타일입니까? Donc, quel est votre style? 여러분 어떤 스타일의 가정에서 자녀들을 대하고 있습니까? Si vous êtes parent à la maison, quel est votre style pour traiter vos enfants? 여러분들은 아내에게 어떤 스타일을 대하고 있어요? Quand est-il le leadership de style coaching interactif par rapport à ses clients ou les autres personnes? 자, 코칭 리더십의 스타일은 어떤 스타일이냐? 바로 이런 스타일입니다. Le leadership interactif croit que ces personnes ont des grands potentiels. 예, 고객이나 상대를 대할 때 그 상대가 많은 잠재력을 갖고 있다 이렇게 생각합니다. Quand il y a un problème, le leader interactif les juge aptes à trouver la réponse. 그리고 문제가 있을 때는 그 상대 안에 답이 있다고 생각합니다. 그 상대 안에 답이 있다. Comme c'est eux qui font le choix et agissent, les leaders interactifs se contentent de les aider à faire des échanges. Et que la réponse, ils pensent que la réponse est chez les subordinés. 그래서 그 답을 이끌어낼 수 있는 힘이 상대 안에 있다고 보는 거예요. Donc, il cherche à avoir la réponse à travers ces personnes. 그럴 때 코치는 이 사람 안에 힘이 있다고 생각하고 파워가 있다고 생각하기 때문에 오직 도와줄 뿐이에요. Donc, comme il pense de cette façon, il pense que les personnes avec qui travaillent avec lui ont la réponse, les personnes qui travaillent avec lui ont la force, le pouvoir, la réponse aux questions. Les gens commencent à aider. 그래서 고객의 상대 안에 있는 파워가 점점 확장됩니다. 파워가. Ce qui est étonnant, c'est que la puissance intérieure de ces personnes en position de partenaire objet s'élargit et devient plus puissant et plus créatif. 그래서 아주 파워풀하게 됩니다. Le leader interactif agit comme une personne altruiste parce que ce sont les partenaires objets et devient parce que son partenaire objet devient le centre plutôt que le coach lui-même. 이걸 가지고 뭐냐 하면은 상대 중심의 그런 유센트리 상대 중심의 행동이 된다 그렇게 생각하는 거예요. C'est possible grâce à la croyance forte et à la conviction que le parent céleste tout puissant vit dans les partenaires objets tout comme les parents célestes vivent en soi. 자 여러분들 여러분 안에 하늘부모님 살아 계시죠? J'espère que les vrais parents célestes vivent en vous, n'est-ce pas? 그러면 여러분 대상 안에도 하늘부모님 계시지 않습니까? Donc s'il vit en vous, n'est-ce pas, vous allez aussi avoir la réponse dans votre cœur? 그걸 믿으십니까? Vous avez confiance à cela? 상대 안에 하늘부모님이 계시다는 걸 믿으면은 역시 그 안에서도 그 일을 해결할 수 있는 힘이 있다고 믿어야 됩니다. Donc si vraiment vous sentez que Dieu est en vous et vous êtes et travaille avec vous. Vous devez aussi comprendre que vraiment vous avez la réponse à plein de choses et Dieu va vous aider à trouver les réponses. 여러분 아내를 믿어야 돼요. 여러분 자녀들을 믿어야 돼요. 여러분 식구들을 믿어야 돼요. Donc pour cela vous devez avoir confiance à vous-même. Vous devez avoir confiance à tous les membres. Vous devez avoir confiance aux personnes avec qui vous travaillez. 여러분들이 그들의 문제를 풀려고 하지 말고 그들이 스스로 문제를 풀 수 있도록 Ne cherchez pas à répondre et à résoudre toutes les questions vous-même, tous les problèmes vous-même. Travaillez avec les autres. 천부의 길을 가는 사람은 이런 리더를 갖고 이런 리더십을 가져야 됩니다. Donc les gens qui vont le chemin de Chonbo ont besoin de ce genre de route. Ils ont besoin de travailler comme cela. 네, 오늘 그래서 우리 리더십은 어떤 리더십을 가져야 되냐 하는 걸 생각해 보는 시간이 되었습니다.
Donc, je veux que vous, j'espère que vous allez penser profondément au contenu partagé aujourd'hui dans votre champ de mission. Suis-je un gestionnaire ou un leader interactif? Suis-je un leader centré sur soi? Suis-je un leader centré sur les autres? Et que faire ensuite? Yeah. 그래서 우리는 오늘 이 시간에 정말 중요한 시간이 되는 겁니다. So, donc, c'est vraiment un temps très important. 나는 누구인가? Qui suis-je? 나는 관리자이냐? 나는 천보 리더가 되는 거냐? Est-ce que je suis un gestionnaire ou je suis un leader chombo, un leader interactif chombo? 그럼 우리가 오늘 발표자 얘기를 들어보면서 함께 토론하기로 하겠습니다. 발표자를 on va d'abord écouter ce que les gens sont, on nous a donné pour ceux qui vont présenter et puis après ça on va écouter les questions et réponses. 네. 다시 한번 원장님께 다시 한번 큰 박수를 부탁드리겠습니다. Merci, merci. Et je vais encore remercier le professeur Gil pour tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui. 네, 이제 발표 시간인데요. Donc maintenant c'est le temps de donner vos présentations. 네, 두 가지 발표로 그냥 쭉 중간에 쉬는 그 중간에 Q&A 없이 그냥 쭉 이어서 할게요. Donc, d'abord, nous, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est avoir deux présentations par deux personnes et nous allons directement écouter un suivi de l'autre. Et après ça, nous allons avoir les questions-réponses. Donc, il y a tellement... Ce que vous avez dit, vous avez envoyé, c'est vraiment long. Donc, ce n'est pas un problème, mais je veux que vous n'avez pas allé sur tous les points. Dites seulement le point le plus important. C'est le point le plus important que vous devez partager avec nous. Donc, vous pouvez juste le dire en grosso modo. Quoi. Vous n'avez pas à lire tout ce que vous avez envoyé. 네, 그러면 먼저 토고의 국가회장이신 사소코 고소고를 모시겠습니다. 박수를 모시고. Donc, nous allons commencer d'abord avec un leader du Togo qui a envoyé en fait sa présentation. Encore, vous n'avez pas à dire tout, juste une partie. Ok, merci. Bonjour, professeur Gil. Bonjour, chers membres de la Sainte Communauté du Pan Céleste. C'est un grand plaisir pour moi en ce jour de partager ma réflexion par rapport à tout ce que nous venons d'écouter. Et je suis vraiment très reconnaissant de pouvoir écouter tout ce qui est dit aujourd'hui, parce qu'en fait, tout provient d'un problème. Et ce problème, c'est la rupture entre l'esprit et le corps de l'être humain avec la chute. Maintenant, par rapport à ce qui a été dit, notre vrai maître dit que par rapport à ça, nous devons maintenant essayer de faire un apprentissage, apprendre à réunir ce qui était séparé, l'esprit et le corps. Et c'est là-bas que vient le leadership du World Coaching. En tout cas, et à travers tout ce que nous venons d'écouter et les exemples donnés par la sœur de Malaisie, et nous comprenons que c'est d'abord, on doit se former, on doit apprendre. Et on doit faire en sorte que ce que propose le Well Coaching, c'est-à-dire voir bien, faire bien et être bien. Donc, on nous a donné ce que tout cela vient de dire. Donc, c'est un travail qui doit se faire sur nous-mêmes. Mais on doit essayer de chercher à découvrir la divinité qui est en nous. Et ainsi faisant, nous devons nous mettre dans un groupe de trois, qu'est la Trinité. Parce que c'est à travers cela que nous pouvons vite évoluer. Donc, dans ce groupe, alors, on peut bien voir bien, faire bien et être bien. Découvrir notre divinité, faire en sorte qu'au moment où je suis en train de m'élever, que je puisse aussi élever les autres. C'est le leadership non centré sur soi, mais centré sur les autres. Donc, le but du Well Coaching est
de pouvoir nous permettre de redécouvrir et notre vrai moi. Alors, il nous aide à réaliser ce que le Parent Céleste veut de nous pour qu'on puisse devenir nous-mêmes des trésors du ciel et constituer le fondement pour établir le Chunilguk substantiel. Donc, et à travers le travail dans la Trinité, nous pouvons évoluer et utiliser le système de multiplication cellulaire pour pouvoir étendre maintenant ce que nous sommes, nous avons de bien en nous, et ceci nous permet de pouvoir rejoindre ce que le professeur Guy nous a enseigné, et aussi nous pouvons comprendre véritablement que l'exemple de notre sœur de Malaisie est une substance que nous devons suivre. Je vous remercie. Merci. 네, 그럼 다음 발표자이신 세네갈에서 온 진성을 모시겠습니다. Merci, merci et merci pour le résumé. Nous allons maintenant appeler la prochaine présentation à partir du Sénégal. Bonjour, merci Christa. Et bonjour notre professeur Rangil et à chacun de nos leaders ici présents. Donc je vais très rapidement faire le résumé ou bien la réflexion sur la PPT que j'ai reçue et le cours que notre révérend, notre professeur nous a donné il y a à peu près quelques minutes. Donc lorsque j'ai déjà ouvert le PPT et que j'ai vu la présentation, la première question que je me posais, c'était déjà quelle serait cette différence entre un leader et un manager. Parce que la plupart du temps, moi, je suis familiarisé avec le mot leader, mais pas avec le mot manager. Donc, je ne pouvais pas en connaître la réponse. Et ce qui était le plus intéressant pour moi là-dessus, c'est que les comparaisons que j'ai dû faire, parce que je me suis rendu compte que le leadership interactif, il est beaucoup plus vertical, il est beaucoup plus centré, on va dire beaucoup plus du côté de nos vrais parents, mais le leadership qui est, on va dire, le manager est beaucoup plus centré sur lui-même. Donc, pour ne pas avoir à lire ce que j'ai fait, parce que j'avais déjà fait un très gros travail, j'ai juste recentré tout ce que j'ai, ce travail que j'ai fait sur moi-même. Je me suis posé la question à savoir comment réellement ai-je réagi ou bien ai-je travaillé avec mon équipe ou bien avec mes parents et mes frères et sœurs. Et j'ai eu ce sentiment de peur et de repentance parce que je me disais que peut-être ou bien sûrement j'ai dû être un peu trop direct ou bien j'ai dû appliquer de manière inconsciente le leadership roi, donner des ordres par exemple. Ça, c'est ressorti plusieurs fois et ça me pousse réellement à réfléchir ou bien à remettre mon travail ou bien mon style de travail en question. Tout simplement parce que je veux faire les choses, je veux travailler en accord avec les principes et en accord avec le modèle de nos vrais parents. Je ne veux pas travailler en accord avec ce que je pense ou bien ce que je pense qui doit être fait. Parce que je sais que ce que je pense qui doit être fait n'est pas forcément centré sur le principe. Et tout d'un coup, je me disais que forcément, j'ai dû appliquer un leadership centré sur l'égocentrisme. Voilà. Donc, ce cours, pour moi, n'est pas juste un cours où, de répétition où je récupère des informations pour les écrire, mais c'est surtout une sorte d'éveil. Ma conscience a été affectée, ça je vous le dis. Quand je lisais avant d'arriver dans ce cours, ma conscience avait déjà été affectée. Et parce que je savais que, à travers ce que je lisais, j'ai fait les choses de manière mauvaise et pas les choses de manière droite. Maintenant, le travail que je veux faire, le travail sur soi, c'est que je dois rectifier le tir et appliquer ce que j'ai appris aujourd'hui dans ma vie. Et ce n'est pas un travail qui va prendre forcément un ou deux jours. Il faut que je l'applique de manière constante chaque jour afin que je devienne ce que j'ai appris, afin que je puisse l'incarner. Donc, je remercie quand même
notre professeur parce que les détails sont assez clairs et il n'y a pas de demi-mesure avec le principe. Les principes sont assez clairs. Maintenant, c'est à moi de faire mon choix et de pouvoir m'accorder avec ce principe. Je veux faire un bon travail dans le messianisme tribal. Je veux inviter, je veux témoigner beaucoup de personnes. Il faudrait que je le fasse avec un cœur qui soit un avec notre parent céleste et avec le vrai parent, mais pas un cœur égocentrique. Donc voilà ce que je voulais partager, ma réflexion en fonction de ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Guim. Mm-hmm. Merci beaucoup. Thank you very much for the feedback. Merci beaucoup pour le feedback. Vraiment, c'était très touchant. 우리 모두 지도자가 이런 것을 공유하면서 이런 생각을 해야 됩니다. Donc, en fait, nous tous, tous les leaders, on doit réfléchir et partager comme ça, honnêtement. Et en partageant comme ceci et honnêtement, on peut beaucoup changer. 여러분, 광야 시대와 정착 시대는 다릅니다. Donc maintenant on est le temps de où on doit s'établir et créer le tunnel Gog et le temps du passé est fini. 광야 시대에는 사람들을 끌고 가기 위해서 이리 갑시다, 저리 갑시다, 저기에 길이 있습니다. Donc nous devons pas dans le passé. On ne voyait rien et puis on, tout le monde nous disait, ah, il faut aller cette route, il faut aller comme ça, il faut faire. Donc, on ne voyait rien de l'avance. Mais maintenant, les choses ont changé. Maintenant, c'est le temps qu'on doit amener Chon et Gok sur la terre. 그리고 하나님 성의 안에서 참 어머님과 교류하는 시대이기 때문에. Et on est dans un temps où on partage les choses avec notre mère. Et dans sous le parapluie de la communauté céleste des vrais parents. Et on vient ensemble. Donc on doit changer notre style. 그래서 그런 입장에서 우리 진성 씨는 아주 좋은 마음에 대한 리플렉션을 해주셨습니다. Donc avec ce cœur, je sens que Jinson nous a donné vraiment une bonne réflexion et a vraiment bien partagé aujourd'hui. Merci. 한국에서도 이런 공부를 같이 하면서 많은 사람이 눈물을 흘리고 많은 사람들의 인생이 변화되고 있어요. En étudiant ceci, ici en Corée, beaucoup de personnes changent leur cœur et commencent à pleurer, et réfléchir et vraiment changer, devenir des personnes différentes. 결론적으로 me centered가 아니고 you centered가 돼야 되는 것이죠. Donc on ne doit pas être centré sur soi, on doit être centré sur les autres. Ça, c'est au fait la conclusion de ceci. 자 그러면 첫 번째 발표한 우리 그 토고의 국가회장님 사라우 코스그로우님 자기는 어떤 스타일의 리더라고 생각하십니까? Donc j'aimerais parler à la première personne qui a donné la présentation aujourd'hui. Quel genre de leader tu penses que tu es? Quel est ton style? Quel est le style que tu as vu qui s'est révélé dans cette présentation? Ok, merci beaucoup. Oui, dans la présentation d'aujourd'hui, c'est le leader qui est en fait le meilleur moyen, la meilleure pratique que nous devons utiliser par rapport à... Non. Il demande maintenant quel est le leader tu penses que tu es. Que tu as senti que tu es quel genre de leader? Wow, oui, ok, merci beaucoup. Et honnêtement, à des moments donnés, je me trouve être leader, un manager, et aussi à des moments donnés, un leader. Parce qu'à des moments donnés, quand en tant que leader national, par exemple, on a besoin de résultats, et le plus souvent, et au lieu de travailler ensemble à amener les autres, je suis souvent entraîné à apporter le résultat rapidement. Alors que ça ne doit pas être un travail personnel à moi, mais ça doit être un travail où ensemble je dois amener les autres. Donc, j'ai bien compris qu'il faut déjà laisser le type de manager
et se concentrer véritablement sur le leadership. Yeah. 우리 안에 많은 사람들이 책임자들은 그런 스타일로 많이 행동을 하고 활동을 하고 En réalité, beaucoup de personnes sont ce genre de personnes. Beaucoup de leaders ont cette, ce caractère. 내가 이런 공유를 하게 되면은 나는 일이 바빠서 세계본부에서 내려온 일을 해야 되기 때문에 어머님이 지시를 따라야 되기 때문에 어쩔 수 없이 그렇게 했다 이런 얘기를 많이 합니다. Donc au fait, quand je fais ce genre de cours avec beaucoup de personnes, je reçois les mêmes réponses. Moi, quand on m'a mis dans cette position de leader, je devais travailler comme ça, je devais pousser les gens, je devais le headquarters international m'ont donné telle directive. Donc à cause de ça, ou bien peut-être notre mère nous a donné telle directive, à cause de ça, beaucoup de leaders sont forcés à pousser et devenir des leaders. Réfléchissons ensemble. 그렇게 해서 어떤 결과가 정말로 나타났지요? Donc quand on fait ceci, quel genre de résultats nous recevons? 결국 그렇게 됐을 때 나는 어떤 입장이 됐습니까? Quand je fais ce genre de travail, je deviens quel genre de personne devant les autres? 만약에 그런 오더를 받았다 하더라도 내가 리더의 입장에서 아까 정리한 것처럼 잘 생각하고 실천하고 임파워하고 이런 스타일로 일을 했다면 어떻게 됐을까요? Donc même si vous recevez ce genre de directive et vous trouvez un moyen de partager ou de devenir des leaders, de continuer à faire votre travail en supportant les gens et en motivant les personnes. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez sentir? 그래서 일을 빨리 잘 하려고 하는 것보다는 일을 바르게 옳게 하려고 하는 사람이 필요하게 되는 겁니다. Donc au fait, nous avons besoin de personnes qui vont chercher de leur vont chercher des manières à faire en sorte que les choses sont faites correctement. Ça, c'est plus important que faire les choses vite. 그렇죠? N'est-ce pas? 참어머님께서는 430과정 했다고 하니까 그럼 43과정을 만들어봐라 그렇게 말씀하셨어요. Donc notre mère nous demandait de faire les 430 couples, 430 familles, n'est-ce pas? Et alors nous travaillons notre mieux pour être capable d'arriver à ce goal. 자, 그러면 이제 우리는 43과정이 누구냐 하는 걸 질문합니다. Donc, notre question maintenant, c'est quel est le goal et comment est-ce qu'on doit faire en sorte que notre personne arrive à ce goal? 일을 빨리 했기 때문에 430과정도 만들었고 43과정도 만들었겠죠? Donc, parce que notre mère nous a demandé de le faire et de le faire rapidement, on est arrivé à faire, notre travail, n'est-ce pas, rapidement. 그러나 그들 43과정이 진정한 천보인이 될 수 있는 사람들입니까? 확실하게? Mais le problème c'est ce qui se pose maintenant c'est que les personnes qu'on a créées, les 43 personnes, les 430 personnes, est-ce qu'on peut faire qu'ils deviennent des chonbo? En réalité, est-ce qu'ils peuvent devenir des chonbo, des vrais chonbo? 앞으로 그런 지시는 계속 내려올 것입니다. Donc ce genre de choses vont venir à chaque fois, vont toujours venir, beaucoup de directives vont venir de plus en plus. 그럼 우리가 관리자 스타일로 그런 일을 위해서 일의 결과만을 위해서 일할 것이냐? Donc en tant que manager, nous allons continuer seulement à faire les choses comme cela? 아니면은 그 일을 하는 사람들을 안타깝게 생각하고 Ou est-ce que nous allons penser, nous allons essayer de vraiment être touchés par les personnes qui doivent faire ce travail, les personnes sur le chantier, et avec ce cœur, est-ce qu'on va essayer de leur de travailler avec eux. C'est le cœur. Leader 안에 하늘 부모님 살아 계시잖아요. Donc à travers dans le leader, les parents célestes vivent dans nous, n'est-ce pas? Dans chaque personne. 여러분들 안에 하늘 부모님, 참 어머님 살아 계시죠? Dieu vit dans chacun d'entre vous, notre mère est avec chacun d'entre vous. 그렇기 때문에 여러분들의 말을 듣는 사람들, 팔로우들
아내도 역시 하늘 부모님 살아 계시고 참 어머님 살아 계신다고요. Donc nous entre nous nous avons Dieu et les vrais parents entre nous. 그래서 우리가 시키는 일을 하는 것보다 더 중요한 것은 그런 것들을 서로 깨닫고 아하 내 안에 하늘 부모님 계시니까 내가 일을 할 수 있지 이렇게 우리가 리드하는 것이 훨씬 더 훌륭한 결과가 나오는 것입니다. Donc la chose la plus importante est pour être capable d'avoir un très bon résultat. Au fait, nous devons réfléchir et penser comme cela. Et de cette façon, nous allons être capables de vraiment amener tout le monde à aller sur ce chemin positivement. 그래서 우리는 혼자서 이렇게 결정하는 건 정말로 쉽지 않아요. 정말로 쉽지 않습니다. Vraiment, c'est pas difficile, c'est pas facile du tout de faire comme nous faisons là, ce qui est de décider les choses et aller de l'avance tout seul. C'est très difficile. 그래서 팀을 만들자 그러는 거예요. 세 명 팀을 만들자. Un team avec trois personnes. 그래서 하다가 스톱하면은 no stop 갑시다 같이 하는 팀을 만들자 이런 얘기를 하는 거예요. Donc on doit créer un team qui va travailler avec nous et aller de l'avance avec nous. Pas un team qui va commencer et puis après au milieu ça va s'arrêter, ça va changer. Un team avec qui on peut travailler et vivre ensemble. 만 킬로 이상을 날아가는 기러기 구스들의 때를 보셨습니까? 영화요? 아니 실제로 하늘에 날아가는 구스 꾸꾸꾸 그럼 날아가잖아 구스들이. Okay, je sais pas de quel. Il parle de d'un oiseau. Okay. Donc, est-ce que vous avez vu un oiseau qui vole en l'air? Mais il parle d'un très grand oiseau. Je sais pas c'est quel, comment ça s'appelle au fait. 만약 그 기러기가 마일 이상을 가는데 혼자서 간다면 그는 떨어져 죽을 겁니다. 날아가지 못해. Cet oiseau-là, s'il va tout seul en voyage tout seul pour ces kilomètres en route, il va tomber. 우리도 마찬가지예요. 우리가 리더가 참 리더가 되고 참보 리더가 되려면은 함께 가야 됩니다. 함께. Donc au fait cet oiseau, c'est pour cela que les oiseaux quand ils voyagent souvent en quantité ensemble à cause de la densité et de l'air. Et il dit que nous aussi, en tant que Chongbo, on doit travailler et bouger ensemble. 그러면 상대를 믿을 수 있어야 돼, 믿어야 돼요. Donc, nous devons faire confiance aux autres. C'est très important de faire confiance aux autres. 내가 할 수 있듯이 당신도 할 수 있다고 믿어줘야 되는 거예요. Donc, comme je peux faire, comme je suis capable à réussir, je dois croire que d'autres personnes peuvent aussi réussir. 참 어머님은 우리를 믿고 계세요. Notre mère, par exemple, a confiance en nous. 여러분들은 여러분의 부인, 여러분의 자녀들, 여러분들의 가족들, 여러분들의 교회 식구들을 믿고 계십니까? Donc, est-ce que vous avez confiance à vous-même? Est-ce que vous avez confiance à votre famille? Est-ce que vous avez confiance à vos membres, à votre partenaire? Il faut avoir confiance dans tout cela. 만약에 믿고 있다면은 지금 우리가 스타일이 되면 안 되죠. Donc si vous avez confiance, ce style de vie de maintenant ne correspond pas, n'est-ce pas? 자, 이제부터 한 달 동안 여러분들한테 과제가 있습니다. Donc je vais vous donner quelque chose à faire, un devoir pendant un mois. 여러분들 팀을 만들고 또는 그룹을 만들고 만날 수 없으면 온라인 등을 통해서 우리들은 누구인가, 리더인가, 관리자인가를 서로 토론하기 바랍니다. Donc votre travail maintenant c'est de faire en sorte que vous rencontrez vos personnes, vos familles, vos teams, vos membres, vos frères et sœurs de l'église et en faisant votre team vous devez réfléchir et discuter ensemble si vous êtes quel genre de style de leader ou de manager vous êtes. 그래서 서로 스스로를 셀프 코칭을 해야 됩니다. Et puis après de là, cela vous devez maintenant faire du self coaching vous-même. 마음과 몸이 잘 주고받도록 여러분들은 하늘 부모님과의 수소 작용을 계속해야 됩니다. Donc pour faire en sorte que votre corps et votre âme deviennent un,
vous devez vraiment faire du bon donner recevoir avec vous-même. 그래서 다음 시간에는 그런 작용을 하고 그런 논의한 것들을 발표하는 시간을 갖도록 하겠습니다. Donc la prochaine fois, prochaine classe, je voudrais que pour cette pour la prochaine fois qu'on se rencontre, vous allez discuter et faire des présentations sur sur cela. 네, 질문 꼭 하고 싶은 질문 있으면 한 분 하세요. 꼭 하고 싶은 질문. La question d'une seule personne. S'il y a une question. 없는 것 같은데요. 네, 없으면은 오늘 여러분들이 너무나 감사합니다. 이것으로 마치고 여러분들이 줌에 저기 유튜브 들어가서 이걸 보시기 바랍니다. Si vous n'avez pas d'autres questions, alors merci vraiment d'être venu aujourd'hui. On est très content de vous voir et nous voulons maintenant vous saluer tous et vous demander d'aller sur Zoom pour revoir ce qu'on a appris aujourd'hui. Tout ça peut se voir sur Zoom. 그래서 유튜브에 들어가서 여러분이 subscribe를 해야지 YouTube. 새로운 비디오가 뜨면 여러분한테 그 비디오가 갑니다. Donc en fait, si vous ajoutez la chaîne du professeur Kim, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes capable de recevoir la vidéo. Mais sinon, je crois que vos leaders peuvent, les leaders de Messi Tribo peuvent vous envoyer la vidéo du jour. 네, 그럼 마지막으로 우리 아주 김초양 우리 식구가 만든 재밌는 비디오 1분짜리가 있으니까 그걸 보고 마치기로 하겠습니다. Donc on va terminer la séance d'aujourd'hui avec une vidéo de 1 minute 8 secondes. 통역하세요. 혼자가 아닌 함께 가는 우리. 3부 과정 3 과정 실세와 승리를 위한 On n'est pas seul. On est sur le chemin ensemble. Nous allons maintenant faire le système et accomplir le but de 43 familles à travers le gouvernement de trois positions. C'est ce qui va s'accomplir à travers les leaders Chonbu. Les leaders Chonbu doivent élever trois familles. C'est important de créer le fondement de trois positions. Ces trois familles doivent maintenant chacun trouver deux familles. 과정의 첨부 과정이 43 과정 실세와 승리를 위해 les neuf familles ensemble doivent travailler pour créer trois familles qui vont être membres réguliers. 첨부 과정 43 과정 실세와 축복 과정 C'est comme ça que les neuf familles travaillent main en main. Et ça sera possible d'accomplir le but des 43 familles facilement. 혼자가 아닌 함께 가는 하늘 부모님과 부모님의 자랑스러운 부모님. Nous devenons des enfants que les parents célestes et les vrais parents peuvent être vraiment fiers. 함께 나눕시다. Partageons ensemble le poids de toutes les difficultés et partageons aussi ensemble toutes les larmes chaudes et partageons aussi ensemble le battement du cœur. 네, 고맙습니다. 오늘 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다.